petit CE1. Alors aujourd'hui on attaque la 4e semaine d'école à la maison. Allez, on tient le coup, à la fin de cette semaine ce sont les vacances. Alors on y va, on donne un dernier coup de collier et c'est parti. Vous avez fait l'inférence, vous avez corrigé votre lecture compréhension du petit humain. Et là maintenant, je vous ai préparé la dictée chercher l'erreur. Donc je vous lis la dictée. Pour son anniversaire, Gabriel a beaucoup de cadeaux. Alors, on doit retrouver normalement 5 fautes. On va analyser chaque mot. C'est parti. Pour son anniversaire, pour, il écrit correctement, son. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on se pose comme question? Vous vous rappelez que soit on peut le remplacer par mon, soit on peut le remplacer par « était ». Si c'est « mon », c'est « son », si c'est « était », c'est « sont ». Pour « était anniversaire », ça ne marche pas. Non, ça marche pas. Pour « mon anniversaire », oui, ça marche. Donc, « son », il fallait lui enlever le « t ». C'est « s-o-n » pour « son anniversaire ».« Anniversaire », on voit tout de suite que normalement, il y a une faute. Vous savez l'écrire normalement. Anniversaire. C'était le A ici qu'il fallait changer. Anniversaire. Gabriel. Est-ce qu'on a une faute à Gabriel? Oui. Pourquoi? Un prénom, c'est un nom propre. Un nom propre prend toujours, toujours une majuscule. Il fallait lui mettre ici une majuscule. Donc, une faute, deux fautes, trois fautes déjà. Pour son anniversaire, Gabriel a... Alors là, on ne sait pas trop si ça s'écrit comme ça ou pas. Donc, on va voir. On continue. A beaucoup. Ça, on sait que beaucoup, normalement, on connaît ces petits mots outils par cœur. Les petits mots invariables. Il y a un P. Deux cadeaux. S'il a beaucoup de cadeaux, ça veut dire qu'il en a plusieurs. Il n'en a pas qu'un. Et donc, du coup... Alors, comme il se termine par E, A, U, on ne va pas lui mettre un S, mais on va lui mettre un X. Donc, il fallait enlever le T, mettre A ici, une majuscule à Gabriel, un P à beaucoup et un X à cadeau. Parce que c'est un nom commun, masculin, un cadeau, mais surtout pluriel. D'accord ? On se retrouve pour la prochaine vidéo pour travailler un nouveau son.